voilà de retour. Ça y est, complètement guéri, ça va beaucoup mieux. C'était pas si terrible. Aujourd'hui, on reprend les choses sérieuses. Ça fait un moment qu'elle traîne là et qu'il se passe rien pour elle, la pauvre. Il est temps de s'occuper du SV. J'avais un tas d'entretiens de prévu là-dessus. Et ça a commencé par une vidange, le changement de bougie et surtout le changement des disques d'embrayage. Allez, c'est parti, on a du taf. Terminé la mécanique. C'est bien passé pour une fois, j'ai pas tout pété. Je suis assez content, et puis elle a pas l'air de pisser ni l'une ni l'autre. Bien, bien, bien. 3 days later. On a pu ressortir la moto aujourd'hui, ça fait plaisir. Je sais que j'ai des nouveaux fans sur la chaîne, donc je leur fais des gros bisous. À ceux qui viennent ausculter toutes mes vidéos pour ensuite me faire des reproches, des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, hein. Il suffit de cliquer sur le petit bouton là, qui ressemble à ça là. On a redonné un petit coup de jeune au SV. On a aussi un peu restauré les parties qu'on avait besoin. Le tête fourche intérieure qui avait vachement piqué, qui avait rouillé avec le temps. Donc je l'ai poncé, repeint et ça fait vraiment plus propre. On a fait une petite tour de jouvence avec des nouveaux contours de phare noir, un nouveau tour de compteur noir aussi, histoire de supprimer tous ces chromes qui sont d'une autre époque. Un petit coup de lavage qui va bien et maintenant on est prêt pour avaler du bitume. Enfin, dès qu'on aura le droit de faire un peu de kilomètres, parce que là, je profite juste de mon statut de vidéaste pour pouvoir venir faire des prises de vue et j'en profite pour venir en moto. C'est les seules sorties autorisées pour elle. Mais là, il faut qu'elle roule un peu parce que la batterie commence à fatiguer. C'est normal, je suis schizophrène. T'inquiète pas si t'entends parler, c'est mon... je parle à moi-même mais à l'autre moi. Et je sais toujours pas ce que je vais dire par contre. Après 10 ans de bon loyer de service, le SV méritait bien un petit coup de jeune. Il a été transformé, retransformé, détransformé. Là on est sur un retour à l'origine, avec une petite remise à neuf des éléments qu'on avait besoin. Ça fait du bien de retrouver cette moto et de pouvoir lui dégourdir les roues un petit peu et de retourner un peu dans la campagne. Je tiens à préciser que tous les plans d'extérieur de cette vidéo ont été faits légalement. Faut savoir qu'avec TMV, j'ai le droit de sortir pour aller travailler et faire des prises de vue.
D'ailleurs, TMV est toujours au taquet et même en période de confinement, n'hésitez pas à me contacter pour tous vos projets vidéo. Bon, pour tout ce qui est mariage, c'est un peu compliqué en ce moment, mais pour tous les professionnels, pour la reprise, vous allez sûrement avoir besoin de communiquer. N'oubliez pas qu'en ce moment, le meilleur outil de communication, ça reste les réseaux sociaux et que la vidéo est un moyen d'information très très important sur ces réseaux. Pour vos reprises d'activité, pour tout ce que vous allez mettre en place pour rassurer vos clients, n'hésitez pas à me contacter, on peut faire des choses même à distance. Pensez-y, n'hésitez pas, on travaille dur même en confinement. Et voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo moto. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. C'est toujours un plaisir de retrouver la route avec le SV. Même si c'est une mémé, elle fait toujours le taf. Je sais que j'ai des nouveaux fans, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici et vous pouvez retrouver les autres épisodes sur le SV ici et ici. À bientôt, ciao.